bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre aventure sur... Eh bien salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre aventure américaine sur Far Cry 5. Nous en sommes à l'épisode 14. Désolé, on a été totalement... Oh mais c'est pas vrai! Eh bien salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. J'espère que vous allez bien les amis, moi ça va très très bien. Alors on arrête les conneries, c'est très très chiant. Mais c'est ça Far Cry, c'est qu'à chaque début d'épisode, je vous assure qu'il y a toujours un connard qui vient me faire chier et c'est terrible. Alors on va essayer d'acheter... Waouh, attends, 7000 ça va me ruiner ces histoires. Il n'y a pas un Twingo frère, un truc bien pourri, bien nul à chier. J'espère que vous allez bien. Bienvenue, on se retrouve pour l'épisode... L'épisode combien? J'espère que vous suivez... Ah bah tiens, on va prendre ça. On va prendre ça. J'ai envie d'y aller en charrette. On va être tranquille avec ça. Donc, nous sommes à l'épisode 14. Et vous êtes nombreux. Ça va. Oh, on dirait qu'il est à fond, le mec. Il est baissé. Mais pas du tout. Nous sommes à l'épisode 14. Et vous êtes très nombreux. Parce que j'ai demandé un vote. À avoir choisi la région. Hop. Je me permets de vous montrer la carte. La région de Faith, tout simplement. Elle est ici, donc Faith est une menteuse. En tout cas, c'est comme ça qu'elle a été décrite par la personne qui nous a accueillis dans le bunker à l'épisode 1, tout simplement, de notre Let's Play. Donc, direction la région. Et on va aller, je pense, à la prison. C'est là où il y a notre première mission. Toute personne à la recherche d'un abri peut se rendre à la prison de Hope County. On a des lits et de la nourriture. Alors... Je vous fais confiance, j'espère que vous avez fait le bon choix à choisir la région de Faith. Moi je vous le dis, je la sens pas, elle me paraît bien compliquée cette région. Et en plus apparemment on m'a dit que dans la région de Jacob, il y avait le meilleur sniper et Tutti Quenti. Donc les gars, je vous fais confiance, m'arnaquez pas. Mais les gars, restez là, c'est moi. C'est moi, les gars, je suis tranquille, mais non. Tranquille, je peux te parler avant que tu fasses... Puis bah ouais, bah je t'avais dit de me dire. Je t'avais dit de me dire, hop. Eh, relève-toi, gros, c'est rien. Il va se refaire violer, regardez. C'est énorme. Eh, je sens que cet épisode va partir en couille. On va rien faire. Bon, allez. Voilà, ça dégage. C'est bon, ça va, mon frérot? Frérot! C'est bon, il n'y a plus de conflit. Tout va bien, respire. Je suis là. Allez, c'est pas... On avait besoin de toi pour se remettre sur les rails. Voilà. On m'a dit que les tarés traînaient du côté de chez les O'Hara, qu'ils essayaient de s'introduire dans la maison hantée. Il n'y a qu'une seule raison qui pourrait les pousser à faire ça. Le matos. Allons-y avant eux. Eh bien, non, j'ai pas envie d'y aller. Donc on fera ça bien plus tard. Il y avait des rebelles, hein, mais ils se sont fait arracher par un... Je sais pas ce que c'était d'ailleurs, c'était quoi? C'était un coup de garde, je sais pas exactement c'était quoi. Roumé en arrière, vous pouvez pas mettre pause, hein, s'il y a des trop d'animaux par ici. Qu'est-ce qu'on a là? Des méchants. Très bien. Ah non, juste derrière, ça va, c'est pas trop gênant. Non mais vous avez vu, c'est terrible, on se fait toujours embêter dans le montagne. On peut pas la vivre, on peut pas la jouer tranquille. Allez, on est parti à 1700 mètres. Bon, on va pas faire tout le trajet parce que réellement, sur le coup, c'est très très long. S'il y a quelque chose d'intéressant, vous ne louperez pas, ne vous en faites pas. On se retrouve tout de suite devant cette prison et on va découvrir... Ah bah non, mais on y est en fait, je crois qu'on y est. On y est dans cette nouvelle région. Là, on a quelque chose. Hein. Ok, relais routier, ça c'est important, il faut le prendre. Hein. On va le prendre, les gars. Bon bah finalement, il n'y a pas une coupure. Oh yes, ma musique préférée. Ça, faut que je récupère, c'est un relais, c'est très important. Ok. Alarme désactivée, aucun souci. Il y a de la drogue. Hein. Il y a de la drogue. Là, on est déjà dans sa région parce que c'est elle qui parle, hein, cette fois. C'est bon les gars, non, il n'y a pas eu d'alarme. Il reste quelqu'un. Allez, libéré. Non seulement j'ai pas été grillé, discrétion, en plus pas d'alarme, ça fait pas mal d'XP. Ça y est, on est dans la région de Faith, on a fait tout simplement un relais.
c'est le premier avant-poste arrivé dans la région par ce chemin. Ça, c'est plutôt cool. Et on commence au tâton, si je puis me permettre. Hein, je suis tout excité. Bref. Les gars, j'espère que vous avez kiffé les 13 premiers épisodes quand même. N'oubliez pas le j'aime, hein, toujours. On n'oublie pas pourquoi, parce que ça fait plaisir, on va pas se mentir. Ensuite, parce que ça up la vidéo, on va pas se mentir, c'est dur, hein, YouTube. Surtout en ces moments sombres. Et parce que c'est cool, putain. Montre que toi aussi t'es beau gosse. Montre que toi aussi t'aimes le Montana. Et t'en as marre de toutes ces conneries là qui se trament. Qu'est-ce qu'on en a? Pas mal de petits trucs intéressants. Bon, l'avant-poste c'est fait. Oh, putain, la sonne. Oui, la sonnerie, la sonnette. Là, c'est insupportable. Ok, on va tout. Oh, attendez. Un monde qui ne prend pas tout. Donc les gars, il est temps. Pardon, je suis désolé, je me trompe de touche à chaque fois. Sniper, M60, enfin, mitrailleuse lourde, fusil d'assaut plutôt classique et pistolet. On est pas mal, on va pas se mentir. Salut mon frérot, comment vas-tu? On va pouvoir tracer. On a fait l'avant-poste assez rapidement et en full discrétion. Et ça, ça fait plaisir. Ah, je voulais faire un petit tour à la boutique, vous étiez très nombreux à me dire B-Boy, franchement, arrête de faire ton crevard, va à la boutique. Alors là, je peux faire des coups de pelle incroyables. Peut-être un nouveau sniper. Sniper de Jacob. Ah putain, bah ouais, mais si... Voilà, voyez, si on avait fait la région de Jacob, on aurait eu ce sniper. C'est lui donc le plus puissant, je suppose. Lui, c'est vrai qu'il est trop classique, c'est chiant. Je prendrais bien la carabine en vrai. Et la morsure de requin prestige. C'est une ARCL. Bah ouais, mais c'est exactement la même que elle, non? Ah oui, c'est exactement la même, c'est nul à chier, putain. Et celle-là, flamme d'antan, carabine. Ah, mais moi, je suis un varcreux, hein. Non, on va acheter celle-là. Hein. Allez, on va acheter ça, on va se la jouer vraiment sniper avec ça. Je vais la mettre à la place de quoi? Bah, tout simplement ici. On va mettre quoi? Ah, il y a des scopes, ouais, ah oui. Ah oui, non, mais là, les gars, hop, je prends totalement. Avec un minimum de style, s'il vous plaît. Ça fait cher, hein, par contre, tout ça. Hein. Ça commence à monter en tarot. Ouais, c'est pas ouf. Honnêtement, oh putain, celui-là. Pour 600, on peut se faire des petits plaisirs, les gars. Faut savoir se faire plaisir dans la vie. C'est pas mal. Je suis assez fier de moi. Peut-être une petite... petite mitraillette, ça peut être pas mal aussi. Et je vais la mettre ici. Et on va mettre quoi dessus? On va mettre un viseur classique. Voilà, n'ayons pas peur d'utiliser un petit peu d'argent. Ne soyons pas des crevards. Un silencieux, peut-être pas. Ça sera vraiment pour les phases un peu bourrin. Et on peut la mettre, ouais, bon, c'est pas fou. C'est pas fou et c'est cher. C'est pas fou et c'est cher. Et ben là, les gars, je suis fier de moi. Donc, petit MP5, ça c'est plutôt cool. Et surtout, matez-moi ça. Il est magnifique. Vous avez reçu une bénédiction. Ah, d'où Jésus. J'étais béni. Ça me fait plaisir. On va prendre. Il est où mon petit. Je crois qu'il a disparu. Ah non, il est là. Ok, il est là. Donc on y va, les gars. Bah oui, on perd notre temps, mais c'est ça Far Cry encore une fois. Je vais pas me justifier. J'avance pas, mais j'adore ne pas avancer. C'est de la découverte, c'est du kiff total et je kiffe total. Donc direction 1300 mètres. À tout de suite, parce que là, je pense pas qu'il se passera grand chose sur le chemin. Par contre, c'est vrai que sa région, elle a l'air un petit peu plus dévastée. Elle a l'air clairement plus dévastée. Oh, très sympa, ça, j'adore. Eh bien ça y est, nous y sommes les amis, nous sommes juste en face de la prison et clairement c'était le bordel pour arriver là où j'en suis actuellement. Regardez, il n'y a quasi pas de route à part celle-ci autour et pour être honnête avec vous, le GPS est pas super précis. Hein. C'était un petit peu la merde, c'était même beaucoup la merde. On va prendre le nouveau sniper, il va falloir inaugurer. C'est un champ de quoi ça? Oh, c'est un champ de drogue. Je vais encore voir des alus les gars. La drogue c'est mal, hein. On ne cessera de vous le rappeler. Qu'est-ce qui se passe là? Ok, il y a beaucoup de monde. Va falloir nettoyer tout ça, je pense. Va falloir nettoyer tout ça. On se dépêche de traverser. Toujours regarder à gauche à droite quand vous traversez chez vous, d'accord? Dans le Montana, on peut se permettre de traverser à l'arrache. Une chance sur deux. Mais sinon, vous regardez toujours à gauche à droite. À la prison de Hope County. On a besoin d'aide. Je répète, on a besoin d'aide. Les cinglés essaient d'enfoncer la porte. Allez, on va essayer. Si vous êtes dans le coin, venez vite. On va essayer de sécuriser vite. On va pas tenir longtemps. Ok. Et ben voilà. Hey, c'est toi, gamin. Et ben voilà, mon pote. Allez. J'ai besoin d'aide. Putain de merde. Mon plan s'enlève. Toi. Il me faut plus de balles. Tu nous as vraiment sauvé la mise.
Ça fait plusieurs jours qu'ils s'acharnent sur ces murs, mais sans succès. En attendant, on se retrouve dans un sacré merdier. Les camions arrivent ! Putain ! Un docteur ! Bon, j'ai besoin que tu montes sur ce mur. Ok, on va monter sur le mur, je sais pas du tout ce qui m'attend là-haut. Défendez le portail, très bien. Allez, faut monter, monsieur, hein. Vous me gênez. Monsieur, vous m'empêchez de faire ma mission, s'il vous plaît. Ça, c'est fait aussi. Ok, il est énorme, ce sniper. Hein. Il est énorme, ce sniper, putain de merde. Donc on va faire attention à lui. Il est où là? Mais il va où là? Copico. Nouveau personnage découvert. J'ai vu clair Tracy. Qu'est-ce qu'il se passe Tracy? C'est la merde hein. Attendez, ah d'accord, ok. Faut que je change de mur. Très bien. J'y vais, je travaille le sujet. Ça c'est incroyable. Je stop. Oh la vache. Vas-y, hein, montez, hein. C'est Walking Dead, hein. J'en ai rien à foutre, hein. L'invasion zombie, je les baise, hein. Eh, ça va, les gars, hein. Je suis pas venu. J'ai encore découvert Virgile. Virgile mobile, on est dans du mobile. Ok, on bouge. C'est par où maintenant? Mais j'ai pas eu le temps. Attends, laisse pas le temps. Quoi? Attends, mais la porte, elle est pas attaquée. Elle est... On dirait qu'il ressent pas la douleur. Ils sont à l'intérieur. Attention, ils arrivent vers vous. Ok. Là, dis-moi, hein. Tu vas voir. Oh, fin de mission. Ah non. Tu vas voir, hein. Personne va franchir les murs, hein. Je te le dis, mon pote. Hein. Moi vivant, hors de question. Hein. Il reste quelqu'un, je sais pas où il est. Il reste quelqu'un, je sais pas où il est. Il est là. Frérot, tu pars par où comme ça? Hop, les gars. Allez, GG ça. Y'a quoi en approche? Stop ce camion! Il fonce à la porte! Hop ça dégage! Ça a été stoppé très rapidement. Hop ça dégage! Quoi d'autre? N'hésitez pas à me dire hein. Vous criez mon pseudo, moi y'a aucun souci hein. J'arrive hein. Défendez le portail, c'est fait. Ça dégage! Allez bon mon pote, qu'est-ce qui se passe? Prison de Hop! Roger, s'il y a un fer à souder quelque part, c'est Footy qui s'en servait, retrouve-le! Toi, suis-moi! Rapporte du métal, et si t'as besoin de dégonder les portes des cellules, fais-le! Au boulot, on n'a pas beaucoup de temps! Des problèmes? Non, des cinglés ont escaladé le mur, mais c'est bon. La porte? Je crois que c'est pas trop grave, ça va aller, continue d'appuyer. Tu sais, je voulais prendre ma retraite l'an dernier. J'avais peur de me faire chier. Eh, hey, vous faites les présentations ou on va rester là planté comme des connards? Langage. Oh, la ferme, Virgile, pas maintenant. Je te l'ai dit, la vulgarité est un signe de... Tu ne portes pas ton insigne. Non, vous êtes perspicace. Combien de personnes on a perdu? On est des cougars. Pas vraiment, non. Tiens, moi je porte mon insigne. Le shérif aussi porte le sien. Cette personne porte... Désolé, qui est-ce? Ça, c'est l'un de mes officiers. Vous aviez pas dit que vos officiers avaient été enlevés? Non, pas celui-ci. À ce qui paraît, il mène la vie dure à ceux des Dunsgate. Vraiment? Bon, j'espère que vous aimez bosser. On n'aime pas les feignasses. Tracy est cool une fois qu'elle te connaît. C'est vrai pour le boulot, par contre. C'est pas ce qui manque par ici. Il suffit de demander, c'est tout. Content de te revoir, toi. Ok, bon. Il est content. Malaisant, mais il est content. Ça fait plaisir, non, c'est la famille. Et ben voilà, les gars. Eh, hop, ça en pille en direct. Hein. Oh là là, 900 RP d'un coup. Ça, c'est terrible, ça. Les gars, c'est très bizarre parce que... Est-ce que je dois lui parler? Est-ce que je... Qu'est-ce qui se passe? Il y a forcément une sombrerie quelque part. Ok. Pas l'air de devoir lui parler. Frérot, faut le parler. Faut faire... On fait quelque chose, toi et moi, ensemble. Franchement... Je pensais pas qu'on se reverrait. Après l'accident,
Je me souviens du brouillard. D'avoir marché dans un champ. Et puis je l'ai vu. Tu l'as vu aussi, pas vrai? Quoi qu'elle dise, quoi qu'elle puisse promettre, elle ment. Ne t'approche pas d'elle, ou tu risques de finir comme le Marshal. La grâce, ça fait tout oublier. Ça te libère. T'as juste envie de rester là à jamais. Mais tout est faux. Rien n'est vrai. Si Virgile et Tracy m'avaient pas trouvé, j'y serais encore. À nager dans un océan de grâce. Prisonnier de mon propre esprit. Ces deux-là m'ont sauvé. Ces cougars, c'est des gens bien, mais ils vont pas tenir longtemps. On doit les aider. Personne ne le fera sinon. Une dernière chose. On avait un médecin, enfin un veto, mais il fait de son mieux. Il a disparu depuis quelques heures. Je sais ni pourquoi ni comment. Essaie de le retrouver, d'accord? Le reste de l'Amérique ferait bien. Ça sent la douille, les gars. Je vous le dis très clairement, ça sent la douille. Est-ce que je peux encore te parler? Ces derniers jours, pas mal de gens ont disparu. D'après ce qu'on sait, ils touchaient pas à la grâce. On nous a parlé d'un endroit qui serait dirigé par un des lieutenants favoris de Face. Le genre d'endroit dont on revient pas. Torture, noyade, sacrifice. À ce qu'on raconte, c'est là que finissent tous ceux qui refusent le pèlerinage de Face. Je crois qu'on a un gros problème. J'ai besoin de quelqu'un pour le régler. Quelqu'un qui saura se démerder s'il s'avère que toutes ces conneries sont bien réelles. Fais bien gaffe à toi. Allez, délivrance, mission principale. C'est pas mal ça, on a pas mal de missions avec ces conneries. Hein. Hop, on va sortir parce que là c'est le bordel. Les gars, ça va, calmez-vous, respirez un peu. Donc, il est temps d'ouvrir la carte. On a Tracy et Virgile. Je pense qu'on va aller leur parler. Parce qu'ils ont des missions assez ouf à nous donner. Et on va pouvoir choper un nouveau compagnon. Il y a Marina aussi. Marina, elle fait partie, ouais. Donc on a Marina, taxidermie. Et on a camping. On a trois nouveaux compagnons assez cool. Et ben vous savez quoi? On va parler à nos deux compères, Tracy et... Je suis content de vous voir, officier. Vous connaissez la grâce? Notre principale mission ici, c'est d'arrêter Face. Elle m'a tout pris. Mon boulot, mon mariage, même mon fils. Et tout ça pour cette drogue, la grâce. Vous êtes un cougar maintenant. Une équipe, ça s'entraide. Et j'ai justement besoin de vous, officier. Vous connaissez notre station de traitement des eaux? La 7 l'a prise et y injecte de sa grâce. Vous le croyez, ça? Envoyez ça dans l'eau potable! Quel monstre peut faire un truc pareil? Pas question qu'elle continue. Écoutez-moi bien, on va mettre un terme à tout ça, rapidement. Vous en dites quoi? Ok, donc la grâce, c'est leur drogue, hein, très clairement, je pense que vous l'aurez saisi. Hop, je prends de l'alcool. Il faut partir, monsieur, s'il vous plaît, c'est très très chiant. Je vous propose de lire. Hop, c'est un message de Vigile. On dit Vigile ou Vigile? Ça, c'est toujours très compliqué. Mais vous l'aurez compris, la grâce, c'est donc une drogue. Et ils en mettent un petit peu partout. Attends, Tracy, elle est partie où encore? On va essayer de la trouver vite. Oh putain, ça sent les embrouilles, Tracy. Hein. Oh, Tracy, tu m'as mis dans la merde. Hein. Tracy, tu m'as mis dans la merde. Tiens, on va sortir. Les gars, attends, laissez-moi. Oh ouais, non, allez, casse-toi. Casse-toi parce que je vais tirer, les gars. Allez, m'arrêtez. Ils sont cinglés. Ils sont tous cinglés dans le jeu. Ils reculent, ils s'en battent les couilles. Oh non, Tracy, qu'est-ce que tu fous là-haut? Je brûle, Tracy. Je brûle pour toi, putain. Ok, Tracy, dis-moi tout, ma grande. Hey. Désolé pour mon attitude. C'était pas cool. Demandez à qui vous voulez. Je suis doué pour jouer les durs. Mais le reste... J'essaie de changer. Bon, on recommence? Bienvenue. L'équipe va vous plaire. Tout le monde est costaud. Et il faut bien avec ce qui nous attend dehors. J'espère qu'Earl se trompe pas sur vous. On essaie tous de trouver un moyen de vaincre Eden's Gate. Et à mon avis, ça passera par Face. C'est comme ça qu'elle se fait appeler en ce moment. Vous voyez cette immense statue sur la colline? Évidemment, on peut pas la rater. C'est ce bon vieux Joseph Seed. Le père. Face a demandé à ses fans de construire cette horreur pour son pèlerinage de merde. Vous les avez vus? Ces pauvres tarés qui défilent jusqu'à la statue? C'est horrible. Faut qu'on détruise cette statue. Histoire de faire savoir aux tarés que leur père est pas un dieu. C'est seulement un homme. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Faire un bon gros trou dans cette saloperie. Ok, faux prophète, pardon, excusez-moi du peu. Nouvelle quête, les gars, trois nouvelles missions, ça c'est plutôt cool. On sait clairement ce qui nous attend. Vous savez quoi? J'ai envie de m'amuser un petit peu.
Je vais essayer de localiser un avant-poste. J'ai envie qu'on se fasse un petit avant-poste. Ça, c'est un avant-poste. Ça, je crois que c'est un avant-poste. Mais alors, par contre, pour y aller, frère, c'est totalement un avant-poste. Mais pour y aller, écoutez, on va faire une technique australienne. On va aller tout droit. On va faire cet avant-poste, d'accord, tout là-haut. Et on va s'arrêter là. Je pense qu'on aura eu un très très bon épisode. Une sorte de brume très bizarre, hein. Une sorte de brume très bizarre dans cette région. Je pense que vous m'avez emmené, si je puis me permettre du terme, dans un traquenard. Ça sent la douille. Clairement, ça sent la douille là où vous m'avez emmené. C'est pas grave, je vous suis. Vous savez que moi j'y vais, je prends les risques. Mais, oh ouais, non mais les gars, je fais quoi là? Si je saute, je meurs en fait. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Il se passe des trucs chelous là, non? Je suis dans... Il y a de la... Ah putain, d'accord, la rivière est contaminée. D'accord, ça fait que je peux voir... Vous croyez que je peux avoir des alliés ou pas? Qu'est-ce que c'est? Oh là là. Ouais, elle va me kidnapper celle-là. Bienvenue dans la grâce. Ok, donc on a été attrapé. Je sais ce qu'on raconte à mon sujet. Je serai une menteuse, une manipulatrice. J'empoisonnerai les esprits. Mais je vais te raconter une autre histoire. La vraie, cette fois. Il était une fois une jeune fille, mise à l'écart par sa propre communauté, harcelée par ses amis, maltraitée par sa famille. La drogue devint son seul refuge. Elle était seule au monde. Elle voulait mourir. Puis elle rencontra le père. Elle reprit espoir et confiance. Le père lui montra qu'elle était spéciale, qu'elle était pleine de vie et d'amour. Il lui offrit une autre famille qu'il acceptait telle qu'elle était vraiment. La jeune fille retrouva le goût de la vie. Elle avait trouvé un but. Un jour, le père l'emmena ici. Il lui demanda si elle avait confiance en lui. Il lui demanda si elle voulait mourir pour lui. La jeune fille qui voulait vivre à tout prix prit peur. Le père lui dit que c'était une épreuve. Il aurait foi en elle, si elle avait foi en lui. Elle ferma les yeux. Et soudain, le père tint sa parole. La voix de l'Éden éclaire pour tous les fidèles. Suis la voix. C'est un délire vegan ça, frère. Eh, faut pas sucer de la sève, hein. Vous avez vu ce que ça fait, les gars, hein.
Non, ça c'est une végane, c'est sûr. C'est sûr. Non, je ne peux pas. Non, je ne veux pas en fait. Il y a écrit quoi là? Non, je préfère lire, je trouve ça sympa. The Prophecy, la prophétie, on apprécie, ok, là. Chapitre 7, très bien. Chapitre 7, la prophétie. Bah écoutez, je pense qu'on n'a pas le choix cette fois. Hein. C'est pas une question de si tu veux, si tu veux pas. De toute façon, c'est de l'eau. Normalement, ça devrait le faire. Je dis normalement. On n'a pas trop le choix, je pense. Je donnerai un sens à ta vie. Je te libérerai. Ah. Je suis mort. J'aurais peut-être dû ne pas sauter, en fait, je pense. Mais là, vu que je suis dans une alu, je sais pas, en fait. Est-ce que vraiment fallait attendre? J'ai peut-être fait une erreur. Reçois hier, les gars. En tout cas, impeccable, hein. Putain. Ok. Acte de foi. J'ai peut-être fait détruire la statue du père. Ah oui, oui. Officier, la statue, c'est un gros morceau de ciment. Va falloir une arme lourde pour la bousiller. Ou un machin volant avec une mitrailleuse. Vous avez du talent. Vous trouverez bien. Eh ben, on va le faire. Bien sûr qu'on va le faire, lieu découvert. Mais on le fera au prochain épisode. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. Je sais pas où vous m'avez emmené. Mais cette région, les gars, c'est sous drogue. Ça va être terrible. Je vous fais des bisous. À très bientôt, tout le monde. Portez-vous bien, évidemment. Ciao, ciao.